Bonjour. Donc vous êtes là en qualité d'ancienne internationale, peut-être aussi parce que vous connaissez le parcours de Michel Kroos. Oui, bien sûr. On sait que je suis là aussi en représentant du club du Racing aussi. C'est quelqu'un qui est passé par la maison, qui a gagné aussi avec le Racing. Et c'est un patrimoine du rugby français, je pense que donc c'était très important pour moi en tant que personne et surtout pour le club du Racing de lui témoigner toute notre affection et de montrer que voilà, on n'oublie pas les personnes qui sont passées par le club, c'est important. Et lui rendre un dernier hommage, c'était normal de la part de tout le club. Est-ce que vous avez vu des images de l'époque, de quand il jouait ou il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, même pas que vous, on a entendu beaucoup de récits sur lui, ses surnoms, ses titres, sa vaillance, on va dire. C'est toujours une triste nouvelle, même si dans des cas comme ça où il y a la maladie qui prend un peu le pas dessus, ça peut être des soulagements pour les proches. En tout cas, c'est toujours des tristes nouvelles pour tous ceux qui l'apprécient.